Le jeu est très amusant, bien sûr, mais j'ai tellement faim. Ça vous dit un repas? Quoi de neuf, ma fille? Tu as faim? Voici de la soupe chaude. Bah, dégoûtant! J'ai du salami, tu en veux? Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Quelque chose de spécial? Mamie, mets tes lunettes! C'est un cactus! Non, je ne veux rien de tout ça! Je vais mourir de faim! Tu sais quoi? Je propose un défi! Je veux... du pop-corn! C'est facile! Pop quoi? Oh, j'ai compris! Regardez ce que ma petite fille a fait! Moins de paroles, plus de cuisine! Hé, il n'y a plus de casserole! Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, j'ai une idée. Je vais avoir besoin de mon Coca-Cola préféré. D'abord, il faut que je le boive en entier, évidemment. C'est fait. Maintenant, on va prendre un petit couteau pour découper quelque chose de spécial dans la canette. On va mettre une bougie à l'intérieur et voilà. On a un réchaud pour du pop-corn. Il ne nous reste plus qu'à mettre les grains de maïs à l'intérieur. Génial! Il faut que j'attrape tout le pop-corn, sinon il va s'éparpiller. Et voilà, c'est délicieux. Allez, pas besoin d'applaudir, c'est à toi maintenant. Ok, c'est parti. Je vais préparer du pop-corn sucré pour Annie. Et ses bonbons au caramel feront l'affaire. Je vais les mettre dans la poêle avec des grains de maïs et attendre un peu. Mon délicieux pop-corn au caramel est prêt. C'est délicieux. C'est cool, mais j'ai une meilleure idée. Je vais faire du pop-corn multicolore pour ma petite fille. Avec les grains, je vais mettre des grains dans la casserole. Waouh, ça explose tellement, c'est drôle. Super, ma petite fille va adorer. Awesome. Yummy. Ça a l'air très intéressant. Eh bien, il faut que je le goûte. C'est parfait. Et bats les pattes, ce n'est pas pour toi. Enfin, par où commencer? Je vais essayer ça. Oh non, oh, ça n'a rien de savoureux. Ce n'est même pas salé. Celui-là a l'air plutôt bon. Je vais essayer. Trop bon, cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Du pop-corn coloré? C'est délicieux! Mamie, bien joué! C'est délicieux! Maintenant, j'ai envie de sushi! Des sushis? Ah, quel drôle de nom! Qu'est-ce que c'est? Je peux en faire! Attends, c'est mon poisson! En premier, je vais couper le poisson en morceaux. C'est pas si facile, hein! Rien de difficile, regarde ici. C'est amusant, mais je n'ai toujours pas de poisson. Chérie, je peux t'en emprunter? Non. Ok, mamie, tu peux partager un morceau? Tu peux rêver. Qu'est-ce que je vais faire alors? J'ai une idée. Je vais pêcher moi-même. Je vais pêcher. Eh bien, cet endroit a l'air sympa. Hé, hey, les poissons, venez, petits et grands. Plus c'est gros, mieux c'est, bien sûr. Oh, qu'est-ce que c'est? Une boîte de conserve? Non, j'en ai pas besoin. Ok, je vais essayer encore. Quelque chose mort. Hé, hey, qu'est-ce que c'est? Les vieilles bottes de quelqu'un. Oh, quelle horreur. J'espère que j'aurai de la chance la troisième fois. J'ai attrapé quelque chose! Enfin! Hurrah! Maintenant, je vais aller préparer les sushis pour ma fille. Oh, j'ai du riz partout sur moi! Oh, t'as vraiment attrapé quelque chose? Je n'en reviens pas. Évidemment, t'avais des doutes. Il est grand temps de passer au fourneau. Voici les tranches idéales pour des sushis. Regarde, c'est comme les tiens. Comment t'as fait? J'ai presque fini. Je vais faire un gros sushi et ma petite fille sera contente. C'est fait.
t'as fait pour terminer aussi vite? Rien ne me réussit. Ouf, faut que je me calme. Quoi? Mon plat s'est transformé en braise! Regarde-toi! Voyons ce que tu as préparé. Ils ont l'air attirants! Sauf ceci. Je préférerais goûter à cela. Ces sushis sont superbes! Et ils sont délicieux! Bien joué, papa! Waouh! Quel gros sushi! Oh, je vais le goûter! Comment faire? C'est vraiment pas pratique. Je vais éviter. Alors, nous avons le gagnant. Papa, félicitations! Waouh! Maintenant, j'ai envie d'une glace. Oh, je sais ce que tu vas aimer. Je vais faire de la glace avec des Oreos. Excellente idée! Le plus important, c'est le marteau. Chérie, tu vas bien? On dirait qu'il est devenu fou! Détends-toi, tout est sous contrôle! J'ai utilisé le marteau pour écraser les biscuits. Il ne nous reste plus qu'à les mettre dans un verre. Hé, ne t'approche pas de moi! On va prendre du lait et le verser sur les biscuits. Ensuite, on met un bâton. C'est primordial! Et voici l'étape principale, la congélation. Je vais manger quelques mentos à la menthe pour geler le verre avec mon haleine froide. C'est fait! Chérie, tu es si intelligent! C'est à mon tour de t'étonner. Je vais prendre des baies fraîches de mon jardin. Mamie a les meilleures. Maintenant, il faut les écraser avec précision. Je vais avoir besoin de mains solides. Une paire de gants de boxe serait un bon choix. Allez, mamie! Attention, fraise! Et toi, myrtille! Maintenant, tu vas voir! Prends ça! C'est tout, je suppose. Et alors? La boxe, c'est mon hobby. Maintenant, on a du jus de baie. Je prends une douille et un glaçon, et c'est magique! On aspire un peu de jus et on remplit le glaçon avec. C'est simple et savoureux. Allez Lola, à toi de jouer. Ok, je vais faire ma glace à la vanille. Je verse un peu de crème dans le verre et fais fondre le chocolat. Oh, le chocolat, j'adore. Pas si vite, c'est pas pour toi. Je vais incuber le chocolat au bain-marie et mettre la crème au congélateur. Lola est partie. Mamie dort, je vais essayer un peu de chocolat. Personne ne le remarquera. C'est délicieux! J'en veux encore! La crème est gelée. Je n'ai besoin plus que de... Hé, touche pas au chocolat! Tu vas tout manger! Je suis partie un instant! On va continuer. Je dois tremper la glace dans le chocolat. Et voilà une barre de glace. Maintenant, je vais ajouter une garniture colorée. Et c'est prêt! Cool! Hé, mamie! On a encore un défi à relever. Par où commencer? Ça a l'air pas mal du tout. Essayons. Délicieux. Qu'est-ce qu'on a là? On dirait de la glace au baies. Cette glace a l'air bien aussi. Et elle est encore meilleure. C'est mon Oreo préféré. C'est tellement difficile de choisir. Pourtant, je choisis toujours la glace à l'Oreo. Bien joué, papa. Waouh! Je veux de la pizza! De la pizza? Ok. Nous pouvons le faire. Si tu le veux vraiment. Alors c'est parti! Je vais d'abord tremper mes mains dans de la farine pour que la pâte ne colle pas. Oh! Je regrette de ne pas l'avoir fait. Tu peux être plus prudente. Passons à la pâte. J'étale comme dans les meilleurs restaurants italiens. Bravo! C'est parti, c'est simple! Oh, il semble que j'en ai trop fait! Oui, un peu! La pizza a besoin d'une bonne sauce! Je vais prendre des tomates! Que faites-vous, jeune homme? Oh, quelque chose ne va pas!
Maintenant, je vais te montrer comment cuisiner. Où est-ce que tu as vu une pizza sans fromage? Il nous en faut plus. J'aurai le meilleur plat. Oh, j'ai une idée. Regarde, grand-mère, il est tard. Tu as raison, il est l'heure du dort. Comment est-ce que je peux t'avoir? Oh, et qu'est-ce que tu fais? J'essaye de récupérer la pâte. Hourra, j'ai réussi. Oh, je ne vois plus rien. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Un fantôme! Prends ça! Ouf, c'est bon. On va continuer à cuisiner. Oh, Nick, tu as pris ma pâte. Merci. Ok, maintenant je vais ajouter de la garniture au pepperoni sur ma pizza. Je la répartis uniformément sur la pâte. Et quelques tomates sur le dessus. Mettons-la au four maintenant. Ma pizza est la meilleure de toute façon. Ok, mettons-les au four. J'aimerais qu'ils soient bientôt prêts. Notre fils s'énerve. Ah, quoi? Qu'est-ce que je suis? Attendez, on a fini? Et ma pizza? Par où commencer? Qu'est-ce que c'est? C'est pas une pizza, mais une pâte! Ah, c'est dégoûtant! J'aime pas ça! Non. Et ça? Ça a l'air bon! Et ça a un bon goût! Bon travail, maman! Qu'est-ce que c'est? Essayons! Mmh, y a tellement de fromage! Comme j'aime! Mamie, tu es la gagnante! Je le savais! Merci, ma chérie! Oh, j'ai du wasabi! Bark! Ce doit être de la moutarde! Bark, c'est dégoûtant! J'ai de la chance! J'ai de la confiture de fraises! D'accord, je serai le premier! Ça doit être vraiment délicieux! Je vais essayer! Oh, le goût est meilleur que je l'imaginais! Et si je l'ajoutais à une glace? Yummy! L'odeur est géniale! Mmh, et le goût est encore meilleur! Mmh, yummy! On dirait que je suis le prochain! Et si je cachais ça avant que quelqu'un me remarque? Stop! Je t'ai vu! Mange! Ok, peut-être que c'est meilleur avec de la glace. Je vais en mettre par-dessus. Eh bien... Bah, quelle odeur! Et si j'essayais juste un peu? Aïe! Mon visage brûle! Oh, sois un bon garçon, Nick. Tu peux le faire. Tu aurais dû voir ta tête! C'est pas drôle! À ton tour, maintenant! Oh, j'ai vraiment pas envie de manger du wasabi. Mais j'ai pas le choix. Je ne peux pas enfreindre les règles de notre défi. Tu peux le faire. Annie, allez. Aïe, j'ai le visage qui brûle. La glace peut aider. Ok, c'est mieux maintenant. J'ai une idée. Écoute, Nick. Excellente idée. Mmh, c'est délicieux. Qu'est-ce que tu veux? Tu as l'air d'aimer les sauces. Maintenant, j'ai envie d'en goûter aussi. Et on peut changer de couleur? Non. Tu es fou? On est d'accord. On va changer de couleur. Non. Hourra! Notre plan a fonctionné. Ok. Essayons ce qu'ils ont. Je vais me servir une plus grosse portion dès le début. Oui, c'est délicieux. Oh, oh, ça a un goût horrible! Au secours, aidez-moi! Comment tu peux être aussi naïf? Je t'ai eu! C'est l'heure d'essayer cette merveille à la fraise. Quel goût délicieux! Trop cool! Et laisse-moi un peu aussi! Mange pas tout! C'est délicieux! Vous m'avez joué un tour! Attention! Prends ça à toi! Aïe! Qu'est-ce que tu fais? On plaisantait! Arrête de t'éclabousser, tu vas te faire mal aux yeux. C'est vrai, Lizzie, t'es trop susceptible. Pensez-y à deux fois avant de me jouer un tour la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Un hamburger? Cool! J'ai très envie de croquer dedans. T'as oublié quelque chose? Au fait, ta couleur est le rouge. Ça veut dire que tu peux manger que ces tomates.
Eh bien, ce serait bien mieux avec le hamburger. Bon, il n'y a pas le choix. C'est pas si mal. Ça aurait pu être mieux. Annie, à toi maintenant. Je ne peux manger que de la salade verte avec ça. Ce n'est pas un repas très nourrissant. Bon, il n'y a pas le choix. Ah, regarde! Elle mange de l'herbe comme une vache! Maintenant, on dirait que c'est à mon tour. J'ai plus de chance. Je peux au moins manger du fromage. Miam! Oh oh! Je tombe! C'est bon, je vais bien. J'ai juste du fromage sur l'œil. Mais le problème est résolu. Qu'est-ce que je peux manger ensuite? Attendez une minute. Les pains à burger sont jaunes aussi, pas vrai? Ça veut dire que je peux les manger. Non, c'est contraire au règlement! Arrête! T'as aucune preuve! Regarde ton ventre! Catastrophe! J'ai besoin de faire du sport pour perdre du poids maintenant. Bonne chance! Et on ferait mieux de revenir à nos hamburgers. Super, j'ai réussi. Hé, hey, comment ça? T'as fini les burgers? Ah! Mon ventre est énorme aussi maintenant! Nick, je peux t'emprunter ton halter? Vous êtes où? Ok, très bien. Oh, des M&M's! Il y en a beaucoup! Les jaunes sont à moi, mais ils sont si petits! Pas comme ceux d'Annie. Waouh! Un énorme bonbon! J'adore! Lizzie, commençons par toi! Ok, en tout cas, j'ai hâte de les essayer. C'est si délicieux! Je pourrais en manger sans arrêt! Hé, Annie, c'est à toi maintenant! Avec plaisir! Mais d'abord, je vais prendre un selfie sur mon Instagram! En attendant des millions de likes, je peux enfin manger cette friandise! Mais comment est-ce que je peux m'en approcher? Si seulement vous saviez ce que j'endure! Je peux à peine voir mon bonbon! Oh, j'ai une idée! Ce sera meilleur avec une cuillère! Oh, c'est au citron! Pourquoi j'en ai mangé autant? Pourquoi est-ce que tu ris? Rira bien qui rira le dernier! Tu seras bientôt plus d'humeur à plaisanter! Attention! Comment est-ce que je vais bien pouvoir te manger? T'es déjà dans le pétrin! C'est délicieux! Vraiment! Allez, ouvre la bouche! Qu'est-ce que c'est? Ah! Oh mon Dieu! Ça va arriver à tout le monde! Ça fait mal d'ailleurs! Tu aurais dû y réfléchir avant de te moquer de moi! Oh. Ne sois pas méchant avec mon ami! Prends ça, toi! Non! Merci, c'est pour toi. Pourquoi j'aurais besoin d'un parapluie? Tu le sauras bientôt. Que quelqu'un arrête cette chose! C'est un vrai plaisir. Oh, Nick, on t'attend. Je suis désolée, les filles. Je ne recommencerai plus. D'accord. Wow, des boîtes repas, cool! Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Aucune idée. Quelque chose d'intéressant, j'espère. Étrange. Il n'y a pas d'odeur du tout. Allez, ouvre-le. Bah, c'est si dégoûtant. Nous devons être malchanceux. C'est du brocoli? Burk, je dois encore en manger. Ah, oh, c'est dégoûtant. Ça y est, j'ai fini. Oh, j'ai une idée! J'ai besoin de ça! Qu'est-ce que tu fais? Tu vas le savoir bientôt! Je vais mettre tous les ingrédients dans le mixeur. Reste plus qu'à fermer et à allumer. Ça a l'air bizarre. Je ne pense pas que ce soit le cas. Ça devrait être vraiment délicieux. J'ai préparé un smoothie sain. Je vais le décorer avec un brocoli. Et c'est prêt! Ah, c'est tellement dégoûtant! Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Eh bien, j'espère que ma boîte sera meilleure. Waouh! On dirait que j'ai eu de la chance! J'adore les bananes! Je vais la manger tout de suite. Oui, c'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est délicieux. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Des œufs brouillés!
mon petit déjeuner d'habitude. C'est trop cool. Lizzie, tu veux bien ouvrir la tienne? Jetons un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est? Des nachos au piment, au tabasco et au piment? J'ai pas envie de manger ça. Désolée, on peut pas t'aider. On dirait que je vais devoir le manger. Je prendrai qu'une petite bouchée. Allez, Lizzie, tu peux le faire. Mange tout. Ça fait mal. Je vais littéralement exploser. Attention! Je peux plus. J'ai de la fumée qui sort de mes oreilles. Courez pour vos vies. Il me reste du maïs. Attendez, j'ai une idée. Lizzie, ton feu intérieur peut être très utile. Grâce à toi, j'ai du pop-corn. Nick, elle a besoin de notre aide. Prends mon cocktail. Lizzie, tu vas bien? Merci, je vais beaucoup mieux maintenant. Mais le cocktail d'Annie est vraiment horrible. Wow, c'est un vrai gâteau. C'est énorme. J'espère que c'est délicieux. J'ai hâte de l'essayer. Oh, j'ai une idée. Je vais couper un morceau et essayer. C'est assez bon à l'intérieur. Miam. Super. Vraiment délicieux. Il a l'air bon. Il y a même des oranges à l'intérieur. C'est mon tour maintenant. J'ai aussi besoin d'un couteau. J'imagine le goût sucré qu'a le gâteau. Je vais en couper une moitié pour moi. Oh, il y a des fraises à l'intérieur. J'adore. Cool. J'ai l'eau à la bouche quand je te vois manger. Hé, Annie, tiens, le couteau que tu m'as demandé. Merci. Je pense que la meilleure partie est au milieu. Je vais la couper en premier. Oh non, c'est un gâteau au brocoli. Bah, ma pauvre. Annie, serre-toi dans nos gâteaux. Hein? C'est très gentil de votre part. Ok. Merci beaucoup. C'est délicieux. Oh, c'est super. De rien. Hé, Lizzie, et si on améliorait ce gâteau raté? Bonne idée. D'abord, on va enlever ces légumes dégoûtants. Regarde, il y a des gommes à l'intérieur. Annie n'en sait rien. Faut qu'on le mange, vite. Il est encore meilleur que le mien. Qu'est-ce que tu fais? Tu as mangé mon gâteau? Et moi alors? Ok, très bien, je vais manger le tien, Nick. Qu'est-ce que je vais recevoir? Du pain en forme carrée? C'est ennuyeux. J'ai un Ooba Booba en forme de cercle. Cool, j'ai de la chance aussi. J'ai un onigiri en forme de triangle. Je vais commencer. L'onigiri est un repas japonais. C'est pourquoi ton apparence doit être appropriée. Les cheveux sont faits. Maintenant, on restyle mon look. C'est beaucoup mieux. Maintenant, j'ai l'air d'une vraie geisha. C'est plutôt drôle. Mais pendant que tu danses, je vais manger ton onigiri. Ah, ah, eh bien non. Tu crois que je suis là pour m'amuser? L'onigiri n'appartient qu'à moi. En plus, je sais comment le manger très vite. Une seule baguette suffira. La deuxième est pour ma belle coiffure. Oh non, Lola a un délicieux onigiri et moi, j'ai qu'un peu de pain. J'ai terminé. Nick, c'est ton tour maintenant. Ok, je dois trouver une idée très rapidement. Exactement! Ce pain est parfait pour faire des toasts. On allume l'appareil et on attend quelques secondes. 3, 2, 1, yes, c'est prêt! Oh oh, comment ça a pu brûler? J'ai suivi toutes les instructions! Tu es si maladroit! Aujourd'hui, c'est ton mauvais jour, ça c'est sûr. Je dois le manger comme ça. Oh, blerk, c'est dégoûtant! J'en veux pas. Non, non, j'en mangerai pas. Roxy, c'est à toi. Pauvre Nick. J'ai mon Ooba Booba préféré. Hé, Lola, tu peux me donner une lime à ongles? Elle dit rien, donc j'y vois pas d'objection. Merci de me l'avoir gentiment donné. Maintenant, j'en ai encore plus besoin. Waouh! Et voilà!
meilleur moyen rapide de finir le chewing-gum. T'es tellement gourmande, t'as même pas partagé. Oh, regarde, j'ai fait une si belle bulle. Ah oui, une grosse bulle en effet. On va arranger ça tout de suite. Où est la baguette? Attention, Roxy. Hé, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai presque battu le record du monde de la taille des bulles. Yay! Un morceau de cheesecake à la fraise en forme de triangle. C'est super. J'ai des gaufres carrées. C'est des rondelles d'oignons. Leur odeur. Mon gâteau au fromage est bien meilleur. Il est fourré à la fraise comme je l'aime. Il est vraiment délicieux. Y a que mamie qui puisse le rendre encore plus savoureux. Ces tartes sont vraiment les meilleures. Lola, j'ai une idée. Regarde. Bip bip pouf pouf bip bip. Nick, arrête, c'est trop drôle. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Hey, utiliser une plume, c'est injuste. Maintenant, je suis couverte de cheesecake et de ta salive. C'était pas fait exprès, mais tu le mérites. Maintenant, c'est à mon tour de manger. Même si j'adore les gaufres, je ne veux pas les manger sèches. Quelle chance j'ai d'avoir du sirop d'érable. Ça rend tous les aliments plus savoureux. C'est bien meilleur comme ça. C'est tout, j'ai fini. Roxy, à toi. J'aime pas du tout les oignons. Et puis, ça sent très mauvais. Allez, Roxy, tu peux le faire. Ok, ok. Essayons. C'est trop mauvais. Allez, faut que je finisse rapidement. C'est dégoûtant de regarder ça. L'oignon me fait pleurer. Pauvre fille, t'inquiète pas, tout est fait maintenant. Ah, oui, la douleur est terminée. Non, en fait, ça commence. Tourne haleine plus terriblement. Ça sera beaucoup mieux avec un respirateur. Bien joué. T'en as pas un autre? Qu'est-ce que je vais avoir cette fois-ci? Oh, des crêpes, c'est super. J'ai des céréales croustillantes. J'adore en manger au petit-déj. Oh non, j'ai des Doritos Hot Krispies. C'est un désastre. Ouais, pas de chance. Je vais avoir un délicieux repas composé de lait et de délicieuses céréales. Mais l'assiette est trop plate. J'ai une solution. Je vais préparer un bol composé d'un pack de lait. Et pas besoin de faire la vaisselle après. On mélange tous les ingrédients. Et je peux maintenant savourer mon petit déjeuner le plus savoureux. Ma cuillère. Délicieux. On dirait que c'est céréale en goût de fraise. Génial. Je pourrais en manger tout le temps. Oh non, il n'y en a plus. C'est assez triste de ne manger que du lait. Si t'as fini, c'est mon tour maintenant. Le Nutella est ce qu'il y a de mieux sur les crêpes. C'est tellement bon. Ça a l'air délicieux à s'en lécher les doigts. Une tour de crêpes, c'est beaucoup plus facile à manger comme ça. Tadam! Goûtons maintenant. Les vraies dames mangent avec des couverts. Tu peux manger avec élégance en utilisant une fourchette. J'aime beaucoup ça. Roxy, on dirait que t'es un peu sale. C'est pas important. Ce qui compte, c'est que c'est magnifique. Puisque tu es rassasiée, c'est à mon tour de manger. Je me demande si ces chips sont très épicés. C'est étrange. Le goût est plutôt bon. J'aime bien même. Assez épicé, mais juste un peu. Ce tour n'est pas aussi mauvais qu'il semble l'être au début. Oh non! J'ai eu tort de dire que c'était pas très épicé. Ça brûle de plus en plus fort. Nick, je peux t'emprunter ton lait? Ce lait, très bien, prends-le. Je vais même t'aider un petit peu, tiens. Oh, ça va beaucoup mieux. Ouh, merci. Une fois de plus, je suis convaincue que je ne supporte pas la nourriture épicée. Qu'est-ce que vous avez? J'ai plein de biscuits Oreo. Parfaitement ronds et délicieux. J'ai un pop-it à la marmelade. Cool! Oh, j'ai reçu des carottes. C'est assez étrange. Si tout le monde est d'accord, alors je vais commencer. Je connais une super astuce de vie spécialement conçue pour les biscuits Oreo. J'ai besoin d'un shaker et d'un peu d'effort. Tous les biscuits doivent être secoués correctement. Youhou! Une tour d'Oreo, prête à être dégustée. Waouh!
C'est impressionnant. Pas besoin d'applaudir, je sais que je suis la meilleure de toute façon. Quelques secondes et les biscuits ont tous disparu. Sans aucun doute. C'est vraiment cool. Lola, à toi maintenant. J'aime pas vraiment les carottes, mais je dois en manger. Attends une seconde. Ce ne sont pas du tout des carottes. Ce sont des croissants frais. J'adore ça. Surtout avec la confiture de framboise. C'est si doux et si délicieux. Mais la laitue n'est pas nécessaire ici. Il devrait y avoir plus de confiture. Super. Je te vois. Bien, ne me détourne pas de ce qui est délicieux. Lola, tu peux pas jeter la salade ailleurs. Oups, désolée. C'est tellement savoureux que je peux pas faire attention à autre chose. Je vais enfin pouvoir goûter mon Pop-It. Je ne crois pas que ce soit le cas. Nick, regarde! Il y a un vrai ptérodactyle. Je savais qu'il y croirait. Pendant ce temps, je vais remplacer son Pop-It à la marmelade par un vrai. Il n'y a pas de ptérodactyle. Allez, ne me distrais pas. Je comprends pas. Pourquoi la marmelade est-elle si dure? Qu'est-ce que c'est que ça? Un jouet a cassé ma fleur préférée. J'ai fichu. Prenez ça. Je m'excuserai auprès de grand-mère pour le pot un peu plus tard, mais maintenant... Oh, et Lola, tu as remplacé mon Pop-It. Désolée, Roxy, mais le dernier biscuit est pour moi. Ou plutôt pour Lola. Pourquoi tu lui jettes des choses à la figure? T'aurais pas dû me voler ma nourriture. Ok, très bien. Voilà, tiens. Merci, Nick. Cool, j'ai quelques tranches de fromage. Qu'est-ce que tu as? J'ai un morceau de pastèque en triangle. Super. Qu'est-ce que c'est? On se moque de moi? J'ai un cactus. Des aiguilles si pointues. Lola, mange. Ça me rappelle l'été. La pastèque est vraiment bonne. Le seul problème, c'est qu'il y a un peu trop de graines. Mais j'y suis presque arrivée. Oh, oh, pourquoi il y a tant de graines? Lola, regarde ce que t'as fait à mon t-shirt. C'était pas fait exprès, mais maintenant il est plus drôle. J'aimais bien même sans graines. Ok, Nick, c'est ton tour. Oh non, mange ton cactus. Je ne veux pas le manger. Ces aiguilles... Attends un peu. J'ai une idée. J'allais justement travailler dans le jardin et j'ai pris un élagueur. Ça va être très pratique maintenant. Quelques secondes et mon cactus deviendra doux et agréable. C'est fait. Il reste le plus difficile. Comment le manger? Je pense pas que ce soit délicieux. Ah, c'est tellement amer. Tu peux le faire. Lola, arrête de rire. Peut-être que ce sera plus facile si je ferme les yeux. Oh, non, aussi dégoûtant que ce soit. C'est pas grave, bien joué quand même. Pauvre Roxy, elle a dû faire face à tant de difficultés. Maintenant, il est temps de faire une farce à Lola. D'abord, je vais faire fondre mon fromage pour que les morceaux deviennent un seul gros morceau. La tâche est accomplie. Maintenant, un peu de travail avec un couteau. Je dois faire attention, c'est pas du tout une mission facile. C'est presque terminé. Oh Lola, attention à toi. J'ai réussi. Alors, tout le monde est prêt à regarder mon chef-d'œuvre? Hé hey, Lola. Oh! Quelle bonne farce! Que préfères-tu? Les carrés, les triangles ou les cercles? Écris-le dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos.